encore une semaine du club Rotary de Saint-Martin-Nord. Et donc le futur président est ici parmi nous, ici, dans une semaine. Notre club Rotary Saint-Martin-Nord est très heureux d'accueillir ce soir Kimball Gallagher, qui est pianiste-compositeur de New York. Alors l'initiative de ce concert revient à René-Jean Duré, qui a rencontré Kimball lors d'un concert intimiste à la Samana en mai dernier et qui a eu un véritable coup de cœur pour lui. Nous l'avons invité à notre club et nous avons décidé d'organiser une rencontre avec le public saint-martinois dans ce magnifique théâtre de la Chapelle où Audrey et Erwan nous accueillent. Alors Kimball est un globe-trotteur. Il s'est déjà produit sur beaucoup de continents de la planète, dans une trentaine de pays différents, et il a créé en 2015 une association orientée vers le développement de la musique auprès des jeunes, qu'il a dénommée 88 International, 88 étant le nombre de touches de piano. Il a créé ensuite d'autres associations comme Europe 88 en France, Tunisie 88, vous avez vu des extraits de ce que les jeunes ont créé eux-mêmes. Et son projet à Saint-Martin est nommé SXM 88. Il aspire à installer des clubs de musique périscolaires, autodirigés par des élèves dans tous les lycées publics de l'île, aussi bien côté hollandais que côté français. Et y apporter des outils et des expériences nécessaires pour nourrir la créativité et le leadership des élèves. Kimball a la conviction que la musique est une langue universelle et qu'elle permet l'ouverture aux différentes cultures à travers l'exploration de la grande variété des genres musicaux. Donc les bénéfices de cette soirée seront reversés à Kimball pour son association SXM 88. Donc Josiane Artsen-Fleming est une de nos Rotariennes, une past présidente très active, artiste, c'est notre Calas Saint-Martinoise. Elle a accepté pour vous ce soir de nous interpréter l'Ave Maria de Schubert. Voilà, donc je laisse la parole à Kimball. Je sais pas où il est. Merci. Merci infiniment. En fait, je vais commencer tout de suite avec la musique et on va revenir vers une discussion de l'association. Donc je commence avec une sonate de Mozart. Mozart est trop facile pour les enfants, mais trop difficile pour les professionnels. Après ça, je vais essayer. Et cette sonate est pleine de mélodie, pleine de charme, et j'espère que vous appréciez. Thank you.
Thank you.
Frédéric Chopin a composé presque exclusivement pour le piano. Il a écrit les morceaux dans pas mal de genres de musique. En fait, il a inventé plusieurs genres. Il a composé les nocturnes, qui sont évidemment la musique pour la nuit. Il a composé les valses, les ballades, qui sont les histoires à travers la musique. Il a composé les polonaises, qui sont les danses ou les processionnels aristocratiques polonais. Il a composé les mazurkas, qui sont les danses folkloriques polonais. Il a composé les scherzos, qui sont les blagues ironiques avec la musique. Beaucoup d'autres choses. Mais dans ce morceau, la troisième sonate de Chopin, il a ramené quatre genres. Il a inséré les quatre genres dans le même morceau. Et donc le premier mouvement est presque en ballade, une histoire avec la musique. Et le deuxième mouvement est une étude, en fait. Une étude est un morceau qui est pour améliorer la technique. Donc c'est un mouvement très difficile. Et après ça, il y a une nocturne. Et après ça, un tarantella. Ça, c'est une danse particulière pour éviter tous les, j'ai pas le mot en français, tous les tarantulas, qui sont des insectes très dangereux. Et il y a une danse particulière. Et si on fait la danse, il n'y a pas d'insectes comme ça. Donc, j'espère que vous appréciez ce morceau assez mythique. Thank you.
ça c'est une image d'Afghanistan. Donc, avant 2001, la musique était interdite totalement en Afghanistan. Et après la révocation du régime taliban, il y avait une vide culturelle dans le pays d'Afghanistan. En 2008, un homme qui s'appelle Ahmed Samast a établi une nouvelle école de musique qui s'appelle l'Institut national de la musique d'Afghanistan. Donc, j'ai visité cette école en 2010, 11 et 12. Et j'ai fait la connaissance d'un jeune garçon qui s'appelle Elham. Voilà Elham. Elham m'a dit, il avait 11 ans à l'époque. Elham m'a dit, j'aimerais bien apprendre à composer quelque chose. Donc je lui ai dit, on peut écrire ton nom avec les lettres, l'alphabet musical. Et donc E, dans le système anglo-saxon, E c'est E, L, Elham c'est E, L, H, A, M. Donc E c'est E, L c'est E, H et A. A et évidemment A, et M et F ou Fa, Mi, Mi, La, La, Fa. Et donc, il a écrit son nom dans le papier musical et je lui ai donné quelques exercices pour la composition. Et j'ai cru peut-être à travers une semaine, peut-être il peut composer un petit morceau. Mais il est venu le jour suivant avec ce morceau. Impressionné avec Elham et je lui ai dit je vais jouer ce morceau partout et en effet j'ai joué ce morceau et partagé cette histoire dans peut-être 500 fois et quelque chose comme ça et en 2015 il était accepté à Hunter College à New York, il est déménagé à New York pour étudier la musique, il est le seul pianiste afghan à New York. Et maintenant, il vient de terminer son master à Manhattan School of Music. Donc, c'était une inspiration. Et Elham, l'histoire d'Elham et tout ça. Et donc, mon parcours personnel était un peu changé par l'expérience, pas seulement avec Elham, mais en Afghanistan. Et donc, j'ai cherché, à partir de cette visite en Afghanistan, de chercher les situations où on peut faire un impact social à travers la musique, soit dans les zones de conflit extrêmes comme l'Afghanistan, mais soit dans les quartiers de New York ou n'importe où, mais de changer peut-être la position de la musique ou quelque chose comme ça. Et c'était ces histoires et les histoires de ce genre qui m'ont inspiré de lancer l'association 88 International. Et maintenant, je vais inviter mon amie Lisa, qui aussi vient de New York. On va jouer quelques morceaux avec quatre mains. Et le prochain morceau, vient de ce pays. Hop. Voilà. Ce n'est pas l'Afghanistan, c'est la Birmanie. Et en fait, 88 International, nous avons un festival de musique en Birmanie, qui s'appelle Myanmar Music Festival, depuis 2007. Pas 2007, pour cette année, depuis 2013. Et malheureusement, il y avait un coup d'État en Birmanie cette année, et à partir du 1er février, tout était bousculé, et tout est bousculé, et tout reste bousculé en Birmanie, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire cette année, mais ce morceau s'appelle Nagani, ou Dragon Rouge.
Il y a un silence incroyable ici. Merci infiniment. On n'a pas besoin de traduction, mais en cas où elle va jouer un arrangement original, je ne sais pas si elle a mentionné ça, qu'elle a fait son propre arrangement de ce morceau, cette chanson traditionnelle taïwanaise qui était très connue à l'époque javanaise. Thank you.
Maintenant, juste une petite présentation à propos de SXM 88. Et vu que SXM 88 n'existe pas encore, je vous présente un peu de Tunisie 88, parce que c'est un projet de 6 ans qui est un peu maturé. Et donc, c'est quelque chose qu'on a fait là-bas, qu'on peut faire n'importe où, et on cherche à on peut transposer le projet ici. Voilà, ça c'est une carte de la Tunisie. Et en fait, nous avons installé un club périscolaire dirigé par les élèves dans chaque lycée public de la Tunisie. Il y a 585 lycées en Tunisie. Et il y a presque 500 membres, 500 lycéennes qui font partie d'un club de musique. Et donc, normalement, nous avons ces trois axes, la musique, l'inclusion et la transformation. Et normalement, on va au lycée pour installer un club. L'installation consiste en concert éducatif et interactif avec les lycéens pour introduire plusieurs genres de musique et aussi le concept d'un club de musique. Et puis, pendant la première réunion du club, il y a une élection où les membres du club, éventuels, ils font le choix de leur propre leader à travers une élection. Après ça, les leaders ils assistent les formations de leadership. Et aussi, certains membres des clubs, ils assistent les formations de créativité et ils font leur propre réunion, normalement une fois par semaine. Et la transformation et le fait que chaque club, il compose leur propre chanson, il crée leur propre vidéo. Et on a montré les deux vidéos avant le concert. Il y a aussi les événements créés par chaque club. Donc, ils cherchent un lieu. Parfois les lieux normaux pour la musique, parfois les lieux un peu inattendus pour chercher comment faire les actions musicales dans leur propre communauté, pour faire impact dans leur propre communauté. Et donc, est-ce que tout le monde a vu les vidéos au début? Oui, d'accord. Et donc, les vidéos, ils sont créés par les clubs, donc ils n'ont pas eu d'aide. Des adultes, c'est très important de renforcer ce point. Ils ont écrit les paroles, ils ont créé leurs arrangements, ils ont fait leurs propres répétitions et ils ont créé leurs propres vidéos. Et il y avait un concours national, ils ont gagné. Il y avait un club qui est au bord de la mer et il y a un autre club qui vient des montagnes, donc pour avoir un peu de contraste. Et on cherche d'installer les clubs de musique ici, à Saint-Martin. Et en fait, à ce moment précis, j'ai quelques réunions déjà programmées avec certains directeurs des lycées, mais il reste beaucoup de travail à faire pour consolider le projet. Donc s'il y a quelqu'un ici qui est intéressé d'être engagé avec ce projet, nous avons besoin de beaucoup de choses. Et pas seulement les fonds, mais pas mal de choses pour encourager les élèves. Et c'est ça le but du projet, en fait, de montrer la voie de la jeunesse. Et donc, pour clore le concert, je demande à Lisa encore une fois, et on va jouer trois danses, angoise. J'hésite toujours si je sais qu'il y a un mot
en français, et je ne sais pas si c'est un mot féminin ou masculin. Parfois, j'hésite au début de la phrase pour préparer tous les accords de la phrase. Donc, merci pour avoir accepté toutes mes distorsions de cette avance. Merci.
et chaque note dans la main droite est une touche noire, sauf en sol. Slow it down, please.